dévouement. Courage. Sacrifice. Gardienne, Zavala fait son deuil. Et Mysrax récupère à l'infirmerie. Comment voulez-vous procéder? On doit se regrouper. Enterrer Amanda. Et faire de même avec ses assassins. Ils vous attendront, tu le sais. Tant mieux. Pense avec ta tête, pas avec ton cœur. Le chagrin n'est pas de bon conseil. Et toi, tu l'es peut-être? Fais ce qu'il faut pour Amanda. La gardienne et moi allons prendre le relais. Si c'est ce que tu souhaites. Ça l'est. Je sais que vous aussi, vous avez soif de vengeance. Le moment venu, vous serez la première informée. J'ai vécu pendant de nombreux siècles, gardienne. La mort est toujours aussi douloureuse, mais c'est un rituel qui m'est désormais familier. Elle est devenue plus facile à supporter. Mais j'ai toujours du mal à voir le deuil déchirer le visage de ceux qui m'entourent, comme Zavala ou mon frère. L'absence d'Amanda se fera cruelle chez ceux qui la connaissaient. Le désespoir prendra la place qu'elle occupait jadis à nos côtés. Bien que ça n'allège en rien notre fardeau, nous pouvons porter cette douleur ensemble. Et quand vous lèverez les yeux, je vous souhaite de ne voir que des visages amicaux. Je dois à présent me concentrer sur la garde de la reine. Quand le moment de riposter sera venu, nous devrons être forts. Aussi forts qu'Amanda Holliday.